Salut à toutes et à tous, bienvenue Boxing Mag TV pour la promotion de la boxe, sport de combat et les arts martiaux. Allez, à chou.
Une très belle victoire de Brice, il a assuré, il a rassuré, il a, voilà, on a communiqué beaucoup avant, mais il a confirmé qu'il méritait d'être mis en avant, d'être mis en valeur. Aujourd'hui, il a confirmé deuxième fois champion de la ceinture Caso. Alors, Brice, félicitations. Merci.
Je t'ai vu travailler 2 jours avant, tu bossais quand même, t'as pas pris de repos. Je travaillais le matin et je venais boxer voilà. Le soir. Alors comment ça a été avant et ce soir? C'était très dur. C'était très dur même mentalement, mais ça a le travail à payer. Donc premier combat, victoire par KO au troisième round. Le deuxième au premier round. Et là, au point, c'était très dur le troisième combat par contre. Hier, c'était le plus rapide KO hier? Ouais, au premier round, KO. Combien de minutes, combien de secondes? 40 secondes, il me semble. Plus rapide KO. Peut-être, ouais. Et aujourd'hui, tu as confirmé, tu as boxé un champion belge. Ouais, c'était très dur par contre, genre physiquement, mais on a fait le taf. Brice, tu es satisfait? Comment tu vois l'avenir? Bien là, ça m'a mis en confiance pour les championnats de France. Parce que je savais pas trop où me situer encore, vu que j'ai pas beaucoup de combats. Là, c'est mon 14e. Comparé à certains qu'on ont 30, 40. Mais je pense pouvoir faire une bonne année. Combien de combats tu as, redis-moi? Là maintenant, 14. Que 14 combats? 13 combats. Et par rapport au nombre de combats, tu as déjà un niveau plus que la moyenne? Je sais pas, je saurais pas vous dire, je pense. Qui était là les 3 jours. Et Stéphane, Saïd, Taïeb, Roland, Badr aussi, qui est là tout le temps pour nous soutenir. Voilà, merci. Voilà, félicitations Brice.